Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de feuilles de vigne farcies ou dolma. C'est une recette qu'on retrouve en Turquie, en Grèce et au Moyen-Orient. Il existe plusieurs versions. La version que je vous propose aujourd'hui est une version végétarienne des feuilles de vigne farcies au riz et à mélange d'épices. Pour les ingrédients, il nous faut une cinquantaine de feuilles de vigne. Ici, j'ai pris des feuilles de vigne sous vide en saumure que j'ai trouvées dans le rayon produits du monde de mon supermarché. Vous pouvez les trouver également dans les épiceries orientales. Il nous faudra 250 g de riz rond bien lavé, 4 cuillères à soupe de mélange de persil et de coriandre, un gros oignon ciselé finement, 2 gousses d'ail râpées et 1 cuillère à café de concentré de tomate. 1 cuillère à café de menthe séchée, 1 demi-cuillère à café de poivre, 1 demi-cuillère à café de paprika, 1 demi-cuillère à café de piment fort et du sel selon goût. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier que les feuilles de vigne sont déjà salées. Une pomme de terre et un oignon en lamelles à mettre au fond de la casserole ou de la marmite. Et le jus d'un demi-citron et 6 cuillères à soupe d'huile d'olive pour la fin. Je commence par faire tremper les feuilles de vigne dans de l'eau pour enlever l'excédent de sel. Je n'hésite pas à changer l'eau 2 à 3 fois. Je retire les feuilles de vigne de l'eau et je laisse égoutter dans une passoire. Je passe à la préparation du riz. Je verse dans une poêle placée sur le feu de l'huile d'olive. Je vais rajouter l'oignon ciselé. Je fais revenir l'oignon quelques minutes. Ensuite, je rajoute le riz lavé et égoutté. Je rajoute l'ail, le poivre, le piment fort, paprika et sel. Je mélange bien. Je vais rajouter la coriandre et le persil, le concentré de tomate, la menthe séchée et je vais rajouter 1 à 2 verres d'eau juste à ras du riz en fait. Il ne faut pas complètement le couvrir parce que là on va faire juste une pré-cuisson. On va le faire cuire seulement 10 minutes. Je couvre et je laisse une dizaine de minutes sur feu très doux. Je verse le riz dans une assiette et je laisse complètement refroidir. Je prends une feuille de vigne, donc le côté lisse, je le laisse en dessous. Je vais mettre une cuillère à café de mon riz aux épices, mon riz qui n'est pas complètement cuit. Donc je rabats les côtés de cette façon. Et je roule ma feuille de vigne comme pour rouler un cigare avec les feuilles de brique. Et je continue de la même façon avec le reste des feuilles de vigne et de ma farce au riz. Et voilà mes feuilles de vigne au dolma prêtes. Dans le fond d'une marmite, je vais ranger les rondelles de pommes de terre. Je vais rajouter ensuite les rondelles d'oignons. En fait, les rondelles de pommes de terre vont absorber le trop de sel et les rondelles d'oignons, elles vont rajouter du goût. Ensuite, je vais ranger les feuilles de vigne farcies. Là, je les mets sur deux couches. Je couvre les feuilles de vigne à ras avec de l'eau. Ensuite, je vais placer une assiette pour faire poids pour éviter aux feuilles de vigne de remonter. Je place sur feu très doux pendant à peu près 50 minutes à 1 heure. Après le temps de cuisson, j'ai retiré l'assiette. Là, on voit bien que l'eau a été absorbée. Nos feuilles de vigne sont cuites.
Enfin, je verse dessus le mélange d'huile d'olive et de jus de citron. Je couvre et je laisse complètement refroidir. Vous pouvez déguster les feuilles de vigne ou dolma tièdes ou froides accompagnées d'une salade et d'une sauce yaourt ou telle quelle. J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.